Ils ont tenu en haleine le public de leur département, la Takora et la Donga. Les artistes et musiciens de ces deux départements ont célébré en différé la Fête internationale de la musique édition 2021 sur la coordination de la Fédération des artistes et musiciens de la Takora Donga, entendez FAMAD. C'est la toute première fête de musique que la FAMAD a organisée. Parce qu'elle est bien sûr jeune, elle est créée il y a quelques mois. Et malgré les difficultés, la FAMAD a dit qu'elle ne va pas rester en marge. Elle va organiser cette fête. C'est pour cela qu'on l'a organisée en différé. Et on tient à remercier le ministère de la Culture à travers sa direction, le Fonds des Arts et de la Culture. Sans ce fonds, on n'aurait pas pu, même si on avait la volonté. Notre slogan, c'est « Avec la FAMAD, plus rien ne sera comme avant ». Et aujourd'hui, la population de nos deux départements ont vu que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous avons créé cette fédération pour relever les défis. L'événement a été accompagné par le ministère de la Culture à travers la Direction générale du Fonds des Arts et de la Culture avec à sa tête l'infatigable Gilbert Déoumalé. Je voudrais sincèrement vous remercier pour votre présence ici ce soir. Profitez pour remercier Madame la Présidente de la Fédération FAMAD. Remercier à travers vous le ministère et la Direction générale du Fonds des arts et de la culture qui, depuis quelque temps, a commencé par opérer des réformes. Et ce sont ces réformes qui nous ont amenés ici ce soir. La fête de la musique, aujourd'hui, est vraiment effective. Ce sera comme ça les prochaines fois. Et nous comptons sur vous pour être toujours présents avec nous. Merci. Dans une ambiance forte et attrayante, ces artistes des deux départements ont fait vibrer le public sorti massivement pour vivre l'effervescence avec les idoles. J'ai aimé d'abord moi-même personnellement parce que l'organisation était au top, le son était bon, le podium était très propre, mais aussi pour le peu que j'ai senti avec l'ovation du public, avec la participation du public, avec tout ce que le public a donné, n'est-ce pas, du fond de son cœur, j'ai compris que la soirée est réussie. La fête de la musique à Djougou, tout le monde est fier. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse tout le gouvernement, tout le staff qui est derrière cette organisation. Je reconnais ce que le ministère de la Culture fait pour nous. Et là, je suis ravie, contente ce soir d'être à TV5 à Natitengu pour la fête de la musique. Et je souhaite une bonne fête à tout le monde, tous les musiciens du Bénin, du monde entier. Je voudrais sincèrement remercier tous les responsables à haut niveau qui ont permis l'organisation de cette fête parce que ça permet à ce que les artistes s'éclatent, qu'ils se retrouvent et qu'ils vivent vraiment leur métier en amitié. La FAMAD, créée il y a quelques mois, vient ainsi de gagner le pari pour sa toute première organisation de cette fête. Par ma voix, nous remercions tous les artistes qui ont effectué le déplacement et les deux populations, c'est-à-dire la population de Djougou et la population de Natitengu. Il n'y avait pas que les artistes sur scène. Grâce à ces deux populations, la fête était belle. Donc, que les populations de Kwande, de Tchoumi Tchoumi, de Waké,
de Sémeret, de Tangueta, etc., etc., s'apprête à recevoir la visite de la fédération. Nous ne sommes pas une fédération qui veut seulement rester à Natitengu ou à Djougou. Non, nous sommes une fédération qui veut aller au-delà. À l'année prochaine pour la 40e édition. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.